miss me? I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing in the hey. Il a marqué en Coupe de la Ligue, en Europa League, en championnat. Voilà, Valère Germain a également marqué en Coupe de France le grand chelem pour le buteur de l'Olympique de Marseille qui marque surtout une minute après son entrée en jeu. Un vrai but d'avant-centre, un vrai but qui enlève une épine dans le pied de l'OM. Alors Youssouf Sarri, pour sa première, n'a pas démérité, mais il faut être honnête, la rentrée de Florian Thauvin a changé un peu les choses. Ça s'est vu dans le couloir droit et ça s'est même matérialisé par une passe décisive à la dernière minute avec une élimination pour un pauvre défenseur d'Épinal. C'est quand même la 12e passe D de Thauvin cette saison. On aurait pu également parler de Zambo Anguissa, mais Lucas Ocampos a fait partie de ces joueurs dans les tours de Coupe de France à Épinal au mois de janvier. Eh bien, ça ne leur fait pas peur et c'est grâce à eux qu'on passe ces tours avec une abnégation de tous les instants et un maillot plein de boue au bout de 2 minutes de jeu seulement. Kostas Mitroglou a touché autant de ballons dans cette partie que Johan Pelé. C'est dire si c'était pas facile pour le grec. Il aura pas d'ailleurs le cœur trop à en rire parce que sa sortie le met encore un peu plus au fond du gouffre.